20h15, je pense. Il a pas pu live lui directement. LRB, c'est plus que cet thème. LRB, c'est de la réunion, quoi. LRB, c'est avant tout. C'est avant tout des heures de travail, de réunion, de boulot. Il a pas le time pour nous, les gars. Alors, Fizz Only, bien sûr. Comment recrutes-tu les modos et qu'est-ce que tu... quand est-ce que tu fais le prochain recrutement? Je recrute assez peu de modos. Les modos qui sont là, c'est des gens qui sont là depuis... Oh, je suis encore jungle, putain, c'est terrible. Ce Fizz Only qui se transforme en rien du tout. Tu en as pensé quoi du YouTuber's Live? J'ai trouvé ça pas mal, mais ça manque un peu de dynamisme, en fait. C'est un peu trop... C'est un peu trop cyclique, en fait, pour moi. Et j'ai envie de rejouer Jarvan. J'ai envie grave de rejouer Jarvan. Ouais, Van s'est joigné, je vais rejouer Jarvan. J'avais bien kiffé. J'avais bien kiffé Jarvan. Ah, j'ai mal. Putain, je me suis éclaté. Go Fizz Jungle. Non, on va le jouer. On va déjà le jouer standard en mid lane. On le jouera avec Sakor, comme ça il jouera jungle sûrement. Ça va être bien. Tu as oublié d'aller checker tes mails. Non, poto, c'est pas parce que je te réponds pas directement à ton mail, parce que j'ai vu que ça fait 48 fois que tu m'envoies le message. J'ai lu ton mail et du coup j'y répondrai prochainement. Coucou. Gragou. Ouais, un petit Gragou, c'est... Ça pourrait se placer. Un petit Gragou pourrait se placer, mais... Tu peux changer la musique, t'aimes pas? Bon, je vois, j'aime bien. J'ai demandé à Twix hier, il a mis une playlist de rap que je kiffais bien. Et j'aimerais vraiment bien. Bon, c'est vrai qu'après, la musique est quand même spé. La musique est quand même spé, parce que... En fait, c'est une playlist allemande, ou un truc comme ça. C'est même pas allemand, ça vient des Pays-Bas. C'est néerlandais. Et du coup, c'est un peu spécial, la musique, quoi. Bah, il est où, LRB? Il va arriver... On va s'écouter un peu de... Oh, on va s'écouter ça. Parfait. Parfait. Demain, album du Goût TSR. Ah ouais? Ah. J'écoutais un peu un moment. J'aimais bien. Sans pour autant être un fan du truc, quoi, mais je trouvais ça cool. Bonsoir, Domingo, j'espère que tu vas bien. Super, et toi, j'aime les grenouilles. LRB a disparu, LRB arrive juste après les potes. Je vous laisse passer le message aux gens qui arriveront, comme j'ai tweeté. On fait une game en solo et ensuite LRB arrive. Demain, je pourrai jouer sur ma map Trackmania Stadium. En vrai, je sais pas si trop sur quelle map jouer, parce qu'il n'y a aucun intérêt de jouer sur des maps trop difficiles. C'est-à-dire, typiquement, genre des maps où je vais faire que retry, c'est pas marrant tu vois, sur Trackmania, quand t'as pas le niveau. Joue un champion skillé, please. Qu'est-ce que tu définis ce qu'il est? C'est difficile les champions ce qu'il est. Je peux te piquer la jungle. Sorry, j'avais pas vu. Alors, parfait. Tu es où, Domi? Plein de naissances, bon, ouais, pas mal. Tu es où, Domi? Bah là, je suis chez moi. Du coup, t'es dans un nouveau local ou tu as réaménagé un endroit chez ta mère? C'est le même endroit où j'étais, en fait, la même pièce de stream. Juste que désormais, je l'ai un peu équipé, tu vois. Là, j'ai pu refixer, parce qu'en fait, sinon, t'as un peu d'écho. En fait, le fond vert te permet de renvoyer le son. Et du coup, j'ai refixé un peu tous les trucs. Ça, c'est des mousses, en fait, qui renvoient le son, quoi. Enfin, qui permettent d'absorber un peu le son, plutôt. Parce que sinon, ça fait un écho, ça fait des trucs un peu chelous. Ça fait des bruits creux, en fait. Ok, on va piquer un petit Jarvan. Est-ce que je peux changer de skin parce que je l'avais joué? On va jouer un Jarvan. Oh, il est moche, commando. Bon, allez, le destin nous appelle. Le destin nous appelle sur un Jarvan commando. De temps en temps, il faut y aller. Nice. Tu regardes les streams d'Arcadata? Je regarde assez peu de stream LOL, pour être honnête. Ça fait quelques temps que je me pose pas devant des streams LOL. C'est Dago. Mais non, il a réussi à me snipe. Putain, ça fait longtemps. Ah, Moumou. J'aurais pu. Tu joues avec B-Boy à quelle heure ce soir? Normalement vers 20h. Peut-être 20h, 20h15. Il a pas pu live à 19h, il m'a dit. Mais du coup, il sera là vers 20h et quelques, quoi. Le mec a dit ça fait des bruits creux. Ouais, non, pas des bruits creux, mais genre le son est genre caverneux un peu. Alors, fais une vidéo setup. Mets une permaban, désolé. Fais une vidéo setup. Bon, pourquoi? Je pourrais peut-être faire une petite vidéo setup. Oh, ça a dodge. Terrible, ils avaient une bonne compo pourtant. Vous allez jouer au jeu de prisonnier là. Ouais, à 20h, ouais. J'aime beaucoup les mythes basés sur les auto-attaques, type quel, tu penses quoi de Azir? Il a été légèrement up, ça va. Hein. Il peut, si tu le joues bien, il est plaçable, quoi. Enfin, en solo queue, c'est dur, quoi. Il a placé Caverne. Eh,
Et le bruit et le son caverneux, les potes, c'est pas mal. Alors, est-ce que je vais faire du commentaire sur Eurogaming pour les Worlds? Je pense pas, pour être honnête. Je pense pas. Bienvenue à toi, Rage Machine. Rage Machine 086, merci beaucoup pour le sub. Et bienvenue parmi nous, ça fait plaisir. Est-ce que j'ai avancé sur Game Dev Tycoon depuis le Z-Event? On a refait un épisode. En fait, le truc, c'est que... On est un peu en difficulté, mais niveau montage vidéo. En fait, c'est difficile parce que j'ai plein de trucs. En fait, j'ai rien fait pendant tout août. Et du coup, j'avais une équipe qui tournait pas mal. Parce que vous savez, sûrement, je me fais aider sur les montages. J'ai pas le temps de faire mes propres montages vidéo. Du coup, en gros, je recrute des monteurs à qui je paye 50% de ce que fait la vidéo. C'est-à-dire que 50%, enfin, ils montent la vidéo et 50% de ce qu'ils rapportent leur revient et 50% le reste me revient, quoi. Et du coup, c'est plutôt cool parce que ça permet de si la vidéo marche bien, ça leur permet d'être motivé pour continuer et tout. Et du coup, là, on en recrute d'autres pour pouvoir continuer justement à alimenter le YouTube, etc. Pour quand, par exemple, la Game Dev Tycoon, je crois qu'il y a un coup, on a un épisode d'avance en plus ou deux. Donc voilà. Je suis mid, c'est un fizz. Ça, c'est un fizz, ça. Et là, on est re dans le fizz only, là. 50-50, toi, c'est généreux. Bon, non, je trouve que c'est le bon tarif pour motiver les gens. Parce que c'est normal aussi, c'est du travail et tout, donc ça mérite récompense, quoi. Et en même temps, c'est genre, tu vois, si la vidéo, du coup, est pas top et plaît pas trop aux gens, ça fera moins de vues, donc du coup, les gens, forcément, se donnent un peu plus pour la qualité de la vidéo, quoi. Donc je trouve ça bien. Attends, c'est chiant, ton live me déco. C'est étonnant, ça. Tu as des news de Koro? Là il a balancé la fragilité lolienne le 27, là, mercredi prochain, si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool. Donc ça a l'air de se passer. Après non, on n'a pas parlé depuis quelques temps. T'as abandonné la vidéo des subs, ça pourrait être cool de la refaire. Après ces derniers temps j'avais pas beaucoup d'actu, tu vois, j'avais pas beaucoup de trucs qui se passaient. Donc ça faisait longtemps que je t'avais pas regardé, j'aime beaucoup ton nouveau décor. Merci beaucoup Dashkai. Sur 150 vues, tu touches combien de l'art? Ça dépend. En vrai, maintenant, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui passent en... tu sais, genre les vidéos, en gros, elles sont instant démonétisées. Il y en a pas mal des comme ça. Donc en vrai, ça dépend vraiment. Genre, de temps en temps, tu sais pas pourquoi, la vidéo, sur 150 000 vues, tu vas faire, je sais pas, 100$. Et de temps en temps, tu vas faire genre 30$, quoi. Donc voilà. Je pense pas que la qualité et le nombre de vues est un rapport. Regarde ces vidéos de merde qui fonctionnent avec un simple putaclic, clic, triste YouTube. Oh ouais, non, ça je dis pas. Mais ça c'est un truc différent. C'est-à-dire que tu vois, genre. Bien sûr, si je fais une vidéo putaclic, elle va faire plus de vues, tu vois. Mais ensuite, il y a le contenu de la vidéo et la qualité en elle-même, tu vois. T'as le skin Omega Squad? Je l'ai pas. Oh putain, j'avoue, je l'ai pas. Putain, j'ai pas les RP. J'avoue qu'il doit être cool, lui. Hier, j'ai joué avec Intergalactic. Je pense pas que j'ai aucun skin. Je crois que j'ai avec du néant. Après, il est un peu moche du néant. On doit faire quoi pour le recrutement? Pour les monteurs, on est en train de remettre un truc en place là. On va faire. Il est I2. Ah, il est I2 l'autre là, le nouveau? Aide-moi en termes de putaclic sur YouTube. Bah, en vrai, c'est simple. Hein. Mais en fait, faut. En fait, si tu pars de rien. C'est facile de faire du full putaclic, tu vois, parce que t'as pas de gens qui sont déçus et tout, tu vois. Moi, si là, je me mets à faire du putaclic demain, je me décevrais déjà. Mais en plus, c'est full, les gens qui tuent depuis 3 ans et qui voient que des trucs genre bait click et tout, t'es un peu en mode, bon, bah, c'est lourd ce qu'il fait, quoi. Tu as préféré Z-Event ou Avengers? Bon, ça se compare pas, c'est deux trucs vraiment différents, tu vois ce que je veux dire, genre... Enfin, c'était deux moments super cool, mais Z-Event était plus abouti, ouais, il y avait plus de gens et tout, quoi. Mais c'est un bon souvenir aussi que je garde de Avengers. J'ai réussi. Ça a été difficile, mais j'ai réussi. On s'en est sorti. Fils lapin. Bon, on va jouer lapin. Ça changera un peu. On est contre une Ori. C'est plutôt... pré-niveau 6, ça va être chiant, on va se faire bosser de ouf. Après, ça ira mieux. Après, ça ira mieux, normalement. Je regarde un peu pour voir... Je pense que je vais faire une proto. Hein. Je vais faire une proto et je prendrai peut-être des mercs. Non, c'est toujours le E que tu montes et le A, hein, classique.
que pas mal de gens me disaient ouais monte le A, monte le Z, pardon, monte le Z, mais c'est des trucs de cheese qui marchent pas ça dès que t'es à un niveau correct. Genre à Baello, si vraiment tu veux stomper le mec, oui tu peux prendre le Z. Mais sinon c'est pas incroyable le Z. Peut-être que tu boostes Prime sur LOL. Il est plus dans le délire jeu vidéo lui. Il est plus du tout dans le délire jeu vidéo. Putain merde, je suis en. Ah j'espère que ça va pouvoir marcher si je mets. Si max le Z. Non. C'est dingue. Non. Faut maxer le E frérot. Bébé, tu devais pas faire un truc avec B-Boy ici à 20h. Alors, t'as pas besoin de putaclic, t'as roulé ta bosse, mine de rien. Tout le monde sait que le gaming ne fait quasiment plus de vues sur YouTube maintenant. Faut protéger les streams, je crois que ça va être le futur. Regarde bien, beaucoup passent au stream. Bah, c'est un peu différent. Genre, c'est un peu différent. C'est différent. Mais c'est vrai que le gaming fait beaucoup moins de vues. Hein. Tu regardes par exemple, tous les YouTubers gaming font au final très peu de gaming maintenant. Quand tu vois un petit peu, pas pour autant que c'est mal hein, ce qu'ils font, mais genre des Squeezie ou quoi, ils font genre beaucoup plus de vidéos un peu plus IRL et compagnie, alors qu'avant ils étaient vraiment 90-95% jeux vidéo quoi, même les Amixem et tout, et c'est bien parce que du coup ils arrivent à se diversifier, et je pense que eux aussi ça leur permet de faire différents trucs et des trucs un peu plus différents tout simplement quoi. C'est terrible quand t'es en plein écran. T'as des petits yeux, Domi. Ouais, je me suis réveillé. Là, je suis un peu en. Je suis un peu en décalé, quoi, on va dire. Ces derniers temps, j'ai un rythme de vie. Je suis chez Dwag hier, c'était cool. Ça faisait longtemps, on était avec Twix. Ça m'a fait beaucoup de bien. De revoir les copains. Comme d'hab, heureuse devant ton stream, je te suis depuis longtemps. Mais je n'avais jamais pu avant. Merci pour tout ce que tu fais, des bisous. Bah, merci à toi, Adilago. Il y a un petit Anne Hidalgo quand même, hein, qui. On sent que c'est pas loin quand même, mais. On va partir sur quoi? On va partir sur une pote. T'as un rythme de streamer. En vrai, je l'ai pas tant que ça. Normalement, j'ai un beau rythme. C'est normal, à l'ancienne, c'était entre guillemets les geeks qui étaient beaucoup sur YouTube. Maintenant, YouTube, toutes les classes sociales vont dessus. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Tout simplement, plus ludique à regarder les gens qui s'amusent à que de regarder un gameplay commenté. J'ai scroulé quoi. Ok, wellplay. Wellplay, guys. Une bonne petite game qui démarre. J'ai un Discord, bien sûr, j'ai un Discord. Un bon level 1. Bah, on a kiffé là. Sums. Qui a lâché des summoners du coup. Je chope deux assists, j'ai mis un bon E dans le tas, ensuite j'ai mis de l'auto-attaque quoi. Bah, c'était un bon invade. Je crois que lui a flash, hiverne. Ensuite, j'avoue que j'ai pas trop d'infos. Lui, comme il a commit, I think she ill. Je sais pas si Tristana a lâché des summoners ou pas. Il manque un peu de mana, mais ça devrait bien se passer. Bon, on va peut-être pouvoir avoir une game cool. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, ça a été un peu difficile. Les games de LoL. Pas forcément à cause de nous, donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est comme d'hab. Quoi qu'il arrive, j'ai pas mal de régène, donc... Le truc c'est que sur les deux assises j'ai récupéré 0 gold donc ça change pas grand chose à ma lane. En gros j'ai 50 gold dû à l'invade. Et un petit peu de... Oh j'ai pris le Zed. De voir back. Après, oh non, vous pouvez pas faire ça. Well. Oh, il y a eu un well de lâcher. On va régénérer avec les potes. Je vais prendre de l'XP. J'ai un peu trop commit sur certains creeps. Après, c'est Orianna. Orianna, j'aurais pu dominer de ouf. Là, j'ai joué un peu trop agressif. J'aurais pas dû jouer comme ça. Celui-là, par exemple, il est gratuit. Tu vois, quand il va chercher derrière. Parce que là, la lane va push. Du coup, un petit peu dommage pour moi. Après, je suis full life. Donc, on est quand même dans l'ensemble assez cool. Elle a deux. Allez, 5 creeps de plus que moi. Et tant que j'ai l'XP, ça me va. C'est qui a pris les kills? Jax a pris un kill. Là, la ligne va push. Donc là, on a pas de soucis. Le seul souci, c'est qu'il y a peut-être Jarvan. Oh non, Jarvan ne viendra pas gank. Je prends de l'XP. J'ai pas forcément envie de trop trade.
pas le bombage, je pense. Faut lui mettre un combo là, non? Oh, je suis le pire. Je suis le pire. Mais lui, qu'est-ce qu'il branle aussi? Ouais. Un flash. Oh là là, quel move de merde. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, en gros, moi j'ai go parce qu'elle a encore sa barrière, quoi. On aurait jamais dû go, je pense. Moi, j'aurais jamais dû go. C'est un peu con. C'est un peu con, mais je pense, ouais, je pense qu'on aurait pas dû gank, en fait. Parce que je suis dans un moment où... Genre, j'ai pas de dégâts. Good luck. Bah ouais, j'ai go, quoi. Qu'est-ce que tu voulais vraiment que je fasse à partir du moment où je te ping back et tu me ping de go? I don't know how she... 100-0, yo. Le E était pas bien mis. Le E était pas bien mis, ouais, j'avoue. Bon, elle se met pas mal, elle, du coup. Ok, va falloir que je décale beaucoup. Bien joué, ça. Il a pas de flash. C'est un free kill. Solide, ça. Très bien joué, mon petit loup. Ok, double kill là-dessus. Magnifique. Tu vas game avec LRB après, yep. Chelou le J4, même si c'était une bêtise de côté. Ouais, non, j'aurais jamais dû y aller, j'aurais dû dodge le E surtout. Enfin, j'aurais dû dodge avec le E, alors que je me suis servi du E pour rien. Là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tempo. J'ai des potes qui peuvent me mettre assez bien, j'ai 10 creeps de retard. C'est plutôt ok vu. De base, avec la lane, 10 creeps c'est bien en fait, mais c'est dur de. En fait, quand tu joues fils, c'est ça qui est chiant. C'est que tu dois te dire, bah, c'est NP quoi. Là, en fait, post. Voilà, là c'était un bon trade par exemple. C'est-à-dire que je me mets pas trop en danger. Oh non, ça c'est le pire truc ça. Tu vois, je me suis pas trop mis en danger, j'ai récupéré du farm et avec le E j'ai pu récupérer de. Oh fuck, elle l'a eu. Là par contre c'est un niveau 6 quand même. La Yverne là. Il est pas en duo avec LRB. Il arrive juste après cette game. Je suis pas 6 mec. Super bye. Qu'est-ce que tu branles gros? Qu'est-ce que tu fais mec? Jean Jarvan, t'es trop chelou. Ça avait l'air de bien se passer sur les autres lanes mais... Bon, faut juste pas que je fight là. Et du coup, elle s'est mise super bien. Ouais, ça peut être pas mal. Ok, un bon flash. J'étais obligé de la go comme ça. En fait j'étais en mode soit... Soit elle grille et du coup je me mets super bien. Là on lui a fait péter le flash donc c'est plutôt cool. En vrai c'est plutôt cool là ce qui s'est passé. C'est easy à tuer. Henri ? Bah Henri là elle a plus de flash donc on va peut-être pouvoir tenter quelque chose. Mais le truc c'est que le Jarvan a go alors que j'avais pas mon 6 en fait. Et sans le 6 je suis genre beaucoup beaucoup moins fort. En vrai, faut juste que je roam, je pense. On va faire le truc, on va faire la proto là. J'avais envie d'essayer la proto belt. On va faire ça, ça va être intéressant. Comme ça, je vais avoir un peu plus de dégâts, je vais avoir un peu plus d'HP, ça peut être bien. Le Fizz Only se passe pas super. Si, en vrai, ça va, on est bien. Hein. Là, on est pas mal du tout. Ils ont une team assez squishy qui va faire que je vais quand même pouvoir décaler et tout. Donc, en vrai, c'est bien, hein. Ça se passe bien sur toutes les lanes. On a fait une bonne invade à niveau 1. Juste, bah, il y a eu des moves chelous en termes de gank. J'aurais juste dû jouer safe en fait et attendre le niveau 6. Et Jarvan aurait dû venir au moment où j'étais niveau 6. Et du coup, bah niveau 6, soit avec l'action flash, et si je touche le fish, normalement, même avec le flash claqué, bah on peut quand même la tuer. Donc,
Juste une question de timing, quoi. Tu me push. Jarvan qui arrive. Compliqué. Tristana, tu es une amie? J'ai loupé le fiche en plus. Ce train fizz se passe difficilement quand même. Ce train fizz se passe quand même difficilement, on va pas se mentir. Sakor va être content. Sakor va être joie de tomber contre mon petit Fizou. Ok, parfait, je vais pouvoir revenir avec des bots et un peu d'HP. Bienvenue à toi, Coco et Shoot. Bienvenue mon pote, merci beaucoup. Tu peux EFP, ah ouais, je pensais que j'en avais pas forcément besoin. Je pensais que j'allais pouvoir tuer derrière. Donc bon, je vais utiliser après. Mais ouais, le EF est super strong sur, sur Fizz. J'ai la TP moi si vous voulez. Pas de Tipeee. Ward Deep. Ward Deep, bon, on est à 9-4. Le Ivern est un peu au fond. Tristana, ça reste quand même un perso très fort dans la méta. Orianna est super bien, surtout en farm. Elle a beaucoup d'écal, elle a un peu de résistance magique maintenant. Après, on pourrait l'OS avec Jarvan. Là, en gros, ça va juste être la question de voilà. Jarvan va préférer aller bot. C'est bien. Il y a Ivern là. Oh là là, putain, les dégâts que je prends sur. Je prends 500 instants. Ils vont peut-être vouloir un peu mon cul là. C'est le moment en fait où tu vois, genre NP. Genre, Ivern, tu tournes autour de la mid lane, y'a pas de soucis. Par contre, tu vas te faire sûrement stomp tes autres lanes. Surtout que ça se passe très bien pour la top lane. Donc là, Ivern devrait pas être autour de la mid lane. Genre, plus en top lane, je pense. J'utilise pas assez le E en fait. Le E est super fort. Ah tu vois par exemple je l'ai mis trop tard. Bon c'est pas grave, ça va prendre une tour. Tu vois elle met tellement de pression par contre elle sait que Jarvan ne viendra jamais quoi. Parce que la meuf est quand même ici quoi. Donc elle est quand même en... Ça va être compliqué. Peut-être Orianna qui arrive. Voilà je vais juste mettre pression. Là je vais juste mettre pression comme ça, Orianna peut pas décaler. Et NP du coup ils s'en sortent, ils ont juste pris la tour. Ah c'est parfait ça. En vrai c'est parfait. Attends, c'était pas ça que je voulais acheter Merde j'avais acheté de la merde. Ok parfait. La musique des experts, c'est vrai en plus. C'est la musique des experts. J'ai besoin d'aide là en vrai hein, sinon je peux pas la tuer En fait, j'ose pas trop agresser. J'entends que je peux pas jouer des fizz et tout. C'est kiffant un jeu quand même. Mais j'ose pas trop prendre mes timings agression. Du coup, ça rend la chose un peu compliquée. Je pense à la back. Je pense qu'elle a back. Got Ardent. Eh ben écoute, ça m'a l'air d'être une game fantastique ça. Parfait. Eh ben, c'est une free win. C'est une free win. Max le Z c'est beaucoup trop fort. Ah! Vous êtes pénible. Vous êtes pénible parce que vous pensez toujours avoir raison. Le Z en fait fait plus de dégâts. Mais en fait le E te permet d'être beaucoup plus volatile. Genre là avec le Z j'aurais peut-être pu lui faire plus mal. Mais à partir du moment où tu tues pas. T'as pas trop d'intérêt quoi. Ulti. Ok, elle flash. Ça a mis du temps pour qu'elle flash quand même. Putain, rien a fait tellement mal. Parfait. Mais en gros, je peux E à l'infini, donc c'est-à-dire que je meurs pas quoi. Sinon, je crève.
phrase d'ult, elle est juste mid-life. Ouais, après j'aurais dû garder mes spells pour... Là, ça c'est un... C'était un gangbang mid, là, non? Ok, non, ils veulent red buff. Ok, moi je vais bientôt avoir la proto. En gros, elle m'a ping qu'elle venait. Et genre, c'est vrai que j'ai utilisé tous mes spells... Oh, faut disengage, ça va être terrible. Lui, il est 100% mort. C'est un peu greedy, je pense ça aurait été mieux de décaler mid. Mais bon, on tente des trucs. Ok, j'ai la proto belt. Faut max le E, je crois que les gens te disent de max le W en deuxième, pas le Q. Non, c'est pareil, le Q c'est pareil, c'est bon pour la mobilité. En gros, les pros font ça quoi, si vous voulez. Donc après, enfin après c'est comme d'hab, il y a toujours des secret stats. Moi j'avoue que je pense que je serais genre sur un smear, j'aurais maxé le Z. Parce qu'en fait ça te permet juste de trade et le moment où tu fais péter le Z, c'est insane les dégâts. Donc en fait avoir le Q, le E, ça fait que tu fais que sauter d'un à l'autre et tout et tu... personne peut te catch en fait. C'est ça qui est trop bien sur Fizz. C'est que du coup c'est impossible. Non il max le Z mec. Non il max le E. C'est un solide max E pour tout le monde hein. Après en deuxième ça arrive de maxer le Z j'avoue. Bon je vais maxer le Z. Je vais maxer le Z comme ça. Oh ouais je me sens mieux déjà. Ah ouais là c'est... C'est une toute autre aventure. Pro égale max Z. Falcon, tu me casses les couilles. J'ai check pro build 20 fois avant de faire cette game pour justement ne pas avoir ce moment. Faut max E. En fait, le truc, c'est que là, je suis niveau 9 et je mets un E et la wave est finie. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est fort, en fait. Sinon, fils, tu mets que des auto-attaques. Et en gros, vous voyez bien que quand je suis contre Orianna, je peux pas last hit. Je peux pas aller contre elle et mettre genre 8 auto-attaques. Parce que sinon j'aurais mis juste son POC et c'est terminé. Je suis bientôt niveau 11. C'est vrai vous cassez les couilles un peu là quand même. Mais ça arrive, ça arrive. Elle a plus de flash hein, rien. C'est le moment où... Me demandez pas ce que je fais. Nice, il va y avoir Camille derrière. Lui, on va le tuer aussi. Camille a cancel son back, son TP. Parfait. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On est en train de revenir. Petit à petit, on va reprendre les mécaniques de Fizz. Déjà, en fait. Tu vois, c'est trop bien de last hit de finir les waves au E. Tu te rends pas compte la force du truc. C'est genre réellement trop fort. Du coup en gros après cette game on duo avec Sakor. Après la duo avec Sakor je vais partir là dessus. Après la duo avec Sakor enfin on duo avec Sakor jusqu'à 20h. Et à 20h il y a B-Boy qui va arriver. Use my chill et t'as mis le sub. On se la back là, ok. Tu peux absolument rien faire. Ça la dinguerie du champion quoi. C'est que là les legit ils peuvent rien faire là. C'est ça qui est super dur quand t'es un mid laner statique, tu vois. C'est que même si par exemple, tu vois, j'ai pas forcément bien géré ma laning phase ou quoi. Ah, really, y'a tout flash. Bah là, en fait, ça, c'est juste que je décale, je mets un petit flash par-ci par-là, et on est tranquille, quoi. Tu t'es pété top, t'es présent. On a bientôt l'ulti à nouveau. Nos miages sont chauds, ils sont super chauds la bot lane. Hein.
Trop greedy. Et on se casse. What the fuck, anyone sees that hook? J'ai pas vu moi. Ah non, j'ai le seum. Y est le seum. Voilà, je pourrais kill. On va pas grid, mais là je pourrais kill de ouf. Dommage. C'est pas mal joué. Elle a flash ou pas? C'était pas dégueu, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je dodge la shockwave avec le E et tout, c'était pas mal. Pas grave me dash dessus là. Je vais pas pouvoir wave clear mid. De ouf. Elle a flash? Nice try clean. Ok, elle a flash. Ok, il nous manque combien? 300 gold. Bon bah c'est pas mal hein. Est-ce que je fais des live PUBG des fois? J'en fais assez rarement, mais j'aime bien le jeu. Et j'y joue quand même assez fréquemment, donc je me demandais si j'allais pas en faire de temps en temps. Mais c'est plus des ambiances très posées et tout. Bon là vous voyez on est bien, là je pense que je vais aller splitbot. Quoi qu'il me manque 100 secondes quand même pour la TP. En fait faut juste que je récupère un peu toutes les mécaniques d'assassin, tu vois. De savoir exactement quoi faire à quel moment et tout. Triste à hard push, bah ouais mec. Ouais, doucement, Falcon. Comment tu as les playlists? Sur Spotify, je les fais, ou alors ça dépend. Faut que tu lances ton fils, tu fasses un step back pour max range. Faut que quand tu lances ton fils, tu fasses un step back. Comment ça, explique-moi? Genre, tu recules et tu lances? Pas compris, mais ça a l'air intéressant. Oh, merde. Ok, va bien. J'ai pas de TP, je vais continuer à hard push. Ok, bien ça. Bon, si je prends une T2, c'est pas mal. Hein. Lui, il va mourir. Holy fuck! Ok, s'il meurt pas, c'est parfait. Ils vont prendre une T1. Moi, je prends une T2. Ok, ça me semble assez fair comme trade. Le trade me semble assez fair, le fight était pas super bon. Après je suis allé bot alors que... Ouais mais c'est greedy là ce que je vais faire. Ouais tu vois, j'y avais rien là dans le coin. Genre le truc que je peux tenter mais si ça passe pas c'est terrible parce que ça me met genre vraiment au fond. Ok, va back, je vais juste repush une wave, comme ça au pire je m'ATP après. Je vais monter niveau 3, 13 soon. Je connais pas exactement mes dégâts avec Fizz encore. Comme je le rejoue depuis peu. Moi je jouais beaucoup l'ancien Fizz. L'ancien Fizz qui était genre fumé. Hein. Et j'avoue que du coup je sais jamais trop exactement si je peux kill ou pas quoi. Typiquement c'est... Ah, typiquement c'est pas les... Ça va faire, quoi. 1 pour 0, on a le Drake. Pas mauvais, hein, c'est en train de push de l'autre côté. C'est pas mal ce qu'on fait là. Pas mal du tout, je suis plutôt content. Oh, par contre, non. Ok, l'autre il est en train de finir la game. Hein. L'autre est juste en train de finir la game en fait. Hein. Ok, j'ai beaucoup de CDR maintenant. Ok, là, lourd. 1 pour 1. Ah merde, 1 pour 1, 1 pour 1, pardon. Ah, je suis mort, ouais. Oh, non, c'est juste que comme il y a eu le dragon, genre j'ai eu l'impression qu'on avait gagné un truc. Elle a dodge, elle a pas réussi à dodge mon ulti, Camille. Normalement, tu peux. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ok, c'est pas mal du tout. Moi je suis bien dans ma game.
Le seul truc qui est chiant, c'est qu'elle a une Banshee. Toi, t'as les top, toi, t'as les top. On récupère la vision là. Ils sont tous topside. Pour l'instant, là, ils sont tous là. Hein. Je devrais pas avancer, Nami. Ok, il me faut combien pour le Zhonya? Quand je dis Zhonya, je suis ultra bien. 1565, on va essayer de faire pas trop d'erreurs. Fais Z avant de A, c'est OP. Bah non, parce que tu Z avant de A, en fait, maintenant il faut genre. En fait, il faut que la marque est proc, quoi. Ah, sur une distance. Ce sort peut appliquer des effets à l'impact. Oh, c'est pas mal pour Wave Clear. Pour Wave Clear, mais je pensais que tu voulais dire genre pour fight. Pour Wave Clear, c'est pas mal, j'avoue. Au moment où elle a ult, tu as jump, donc elle a pas pu annuler. Ah! J'ai outplay massivement du coup. Ce que vous voulez dire? I can split bot. Qu'est-ce qui branle encore, putain? Qu'est-ce que, tu vois là, le Z par exemple, j'ai pas bien appliqué quoi. J'ai eu 10 gold. J'étais obligé de les tempo. Bon, un peu dommage, là on est en train de perdre notre avantage. Bêtement. Parce que ça joue greedy. Parfait, la ward là. Jax après se met très bien, il est niveau 14. Moi ça va, j'ai 20 creeps de retard. Le fish c'était parce qu'ils avaient l'air quand même vénère. 10 gold, ok, worse. Non, j'étais en mode j'avais peur de me faire chase vénère. Tu ult, la marque commence, puis tu E dessus, et puis Z A pour repartir. Pas con, ça c'est bien, j'avoue. Ton R et ton E applique le passif du Z. Ouais, j'avoue que c'est bien. Proto pour enlever la Banshee. Ouais, j'ai mis le Q moi du coup. De ouf, hein. Je comprends pas, genre. Oh là là. C'est dur de ouf, mec. Les shields de Yvern plus Soriana. C'est incroyable, genre, c'est intuable, les mecs. Ils sont juste intuables. Là, je fais Zhonya et ensuite je fais Voidstaff direct. Mais c'est genre. Après, on avait pas Jax. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Parce que du coup, il y avait Thresh. Il y avait quoi? Il y avait Camille? Si, avec Camille. Mettre ton R de plus loin, bro. Oui, c'est vrai qu'en plus, plus il est loin, plus il fait mal. Putain, j'avais oublié ça, my bad. Je l'aurais tué en plus. Fallait lancer le fish avant, pas encore. Oh, my bad, j'avais zappé cette partie-là qui est importante en plus. Quoi qu'il arrive, je misplay de ma part, mais. Mais c'est genre solide, quoi, alors. C'est difficile à tuer, quoi, si tu veux. Oh, c'est incroyable, en plus, il était en train de se faire soulever, lui. Le Yvern. Ori à barrière. Ouais, il y a eu barrière d'Ori, bah, il y a eu shield d'Ori, double shield d'Hiverne, flash d'Ori aussi, hein, je crois. Il y a eu quand même tous les summoners d'Ori, mais. J'ai pas pu jouer. Je n'ai pas pu lui infliger de dégâts, tout simplement. C'était pas lui. J'ai encore mon fish. Le truc, c'est qu'il y a la Banshee d'Ori. Ori, c'était un bon call de la Banshee. Hein. Pas mal ça. J'ai hésité à flash. Y a rien pour suivre en fait. Voilà, là, c'est bien joué ça. On devrait s'éloigner, hein. On va se casser, il y a Yvern qui est là. Il y a Tristana qui est back.
J'aurais dû attendre et je la tuais. C'était sûr, putain, on reste tellement longtemps pour les fights. C'était sûr qu'elle allait arriver la triste. J'aurais juste du back. J'aurais juste du back. Jax était bot. Oh, Jax a TP dans le back. Il va se faire soulever. Oh non, Jax. Oh non, Jax. Jaximus. Alors, tu le dis, mais tu go quand même. Bah ouais, c'était pour protéger quoi. En gros, le truc, c'est que je pense qu'on est. Si on était pas mort en plus. Je sais même pas pourquoi je me suis retourné. En fait, je pense que Jarvan était mort sinon. Je suis là. Ah, lourd. Bientôt fini ma game. J'ai bientôt fini ma game. Eh, il va re-avoir du. Oh là là. Il va re-avoir du fizz après. Moi, je jouais avec GLPX. Ça doit être pas mal parce que du coup, tu slow. Ça doit être intéressant. J'ai un petit Zonia. Seul truc, c'est que j'ai pas de dégâts quoi. Et j'ai l'impression que. Oh, même Thresh fait genre Enchantement Ardent. J'hésite à y aller, mais en 3v4. Voilà, c'est dur. C'est le moment où est-ce que je trade ou pas, quoi. Je suis en mode est-ce que je traîne ma vie contre Camille. Et du coup, je peux plus def et ils sont encore là ou. Mec, c'est compliqué, tu vas en 1v4 frérot. De toute façon, tu gères le 1v4 quand même. Toi. Je sens quand même que tu. Je sens quand même que tu gères le 1v4, mon frérot. C'est pas mal du tout en fait, mon Jaximus, ça. All play Jax. Ça m'a impressionné. Free win, Kappa. Win difficile. Putain, le Jax qu'il a mis. Après, Jax, c'est bien. Jax a full farm, il a 280 creep. Après, Orianna, Tristana ont beaucoup farm. Mais nous, on s'est un peu. Oh, c'est agréable ça. Pas jouissif, mais pas loin. Vraiment pas loin. Bon, là, il me faut Void Staff. Hein. Là, c'est Void Staff à tout prix. Et dès qu'on a Void Staff. ...2215. Il me manque quand même des sous. Hein. Ça fait combien? Ça fait 39 de... Ouais, ça me fait 39 hein, d'AP1, hein, donc ça sert à rien que je prenne vraiment quelque chose, quoi. Limite, autant prendre une potion, quoi, si vraiment il y a du fight. Let me get Void Staff. J'ai vraiment besoin du Void Staff, parce qu'en fait, Orianna, je fais pas de dégâts, comme elle a une Banshee. Et en fait, j'ai pas de bot de peiné non plus, donc je suis en sandales de Mercure. Il y a pas mal de CC, donc c'était un bon call, je pense, c'était... beaucoup de trucs sur moi. Ah, lui il va mourir. Je peux rien faire pour lui là. Je suis dans le bac, c'est déjà bien. Ça arrive. 20 secondes mon fiche. Mon fiche était bon, il y a eu Shockwave Ori, Dash et tout. Non, tu devrais pas fight, tu devrais pas fight. Ouais, t'en as rien à foutre de ma gueule toi. J'ai 39% de CDR. J'ai hésité en fait un moment à aider Jax qui faisait quand même un gros taf, mais je sais pas. Je pense que t'es sûr que je mourrais. Elle a une Banshee là. Ah, j'ai un Zonia, hein, je peux la tempo de ouf. Hein. Bien joué. Putain, ça tank hein. C'est le manque de Void Staff là. Attends, je vais back direct. Comme ça, je peux TP. Donc là, ils ont l'air de continuer à vouloir fight. Le bon Zozo. R-E-Z. Ah, n'hésitez pas à me donner des conseils hein, parce que j'ai envie de jouer Fizz parce que c'est un pick que j'aime bien. Et en fait, ce qui est cool dans ce genre de pick, c'est que tu peux toujours faire un truc en fait. C'est genre. Même si la game est entre guillemets morte, comme en ce moment, c'est un peu ça les games de LoL. Oh là là, oh là là. Oh, vous avez tellement fight.
Oh, vous êtes inconscient. Heureusement qu'il y a papa qui est là. Heureusement qu'il y a papa qui est là quand même. Eh oh. Heureusement que Daddy est à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire comme, comme item là? J'ai aucune idée de l'item que je vais lâcher. Nice le bac pour TP. Ça arrive de temps. C'est des petites douilles. C'est des petites douilles, tu vois. C'est le fameux bac pour TP où tu vois. Non, mais en fait, j'ai vu les creeps. Du coup, j'étais en mode là, ces creeps là. Il y en a déjà 2-3 que j'ai déjà farm quoi. Parce que si je les avais pas farm, imagine. Imagine si je les avais pas farm. Ah, il serait à nos portes là. Je veux juste push la top lane. Mais lui. Il me baise. My bad. C'était dur quand même. Je vais pas vous mentir, c'était dur ce truc. Ah, j'ai pris 62% de mes dégâts en dégâts purs. J'ai pris 60% des dégâts. J'ai pris 2000 de dégâts bruts. Let it go. I misplayed. Les dégâts. Mais les dégâts sont assez vénères quand même. Après, elle a bien joué. J'ai tenté un fish au corps à corps, justement, qui ferait moins de dégâts, mais juste pour la bump. Elle a quand même bien joué. Elle a son shield plus le flash de l'autre côté du mur. Tu peux pas flash quand t'es dans l'ulti de Camille, gros. J'ai pensé à un moment, j'étais en mode attends, je vais pouvoir m'en sortir. Et en fait, bah j'étais dans son ulti quoi. Mettre ton fiche plus tôt et de plus loin. Ouais, pour pas qu'elle puisse multi. Après, j'ai jamais été. Si, un moment ici, peut-être, un moment, j'ai été hors de distance. J'aurais pu. Bon, il chope un dragon infernal qui fait chier forcément en late game. Pas pour autant que c'est fini, loin de là. Où est PA? Il est chez lui. Je suis chez moi, ouais. Balayette manchette, Ketami. Elle m'a fumé. C'était efficace, c'était rapide. Elle a 0 RM en plus. Hein. Enfin, pas comme si j'avais de l'armure, tu vois, au point de. Ça va, elle a de quoi bien réagir. On a beaucoup de sustain en vrai. Le seul souci qui m'inquiète, c'est que Tristana commence à avoir beaucoup d'XP. Je sais pas trop où ils sont. Après j'ai un flash et tout, hein. Moi je peux sortir, je vais essayer de sortir Tristana. Mais Tristana a un anti-fish avec sa QSS. On aurait peut-être juste... Ouais, elle a une GRL, ça va être dur. Ça va être dur parce que même lui il est... Je sais pas s'il est si bien que ça. Tiens, il joue très défend... Oh oh oh. C'est l'argent de la France. Je ne peux pas me permettre de le laisser à la mort. Tu le sens le dégât brut là un moment sur le petit Q. Il y a un petit Q qui est parti, j'ai perdu 80%, j'étais en mode... Ok, c'est ça. Nogé à Camille. Ok, on est reparti. La QSS ne marche pas. La QSS détache plus le fish. Putain, mais j'ai l'impression de pas avoir joué pendant 8 ans. C'est terrible. C'est terrible. J'arrive. Apparition dans 27 secondes. Oh, on aurait dû forcer mid, juste qu'on était low quoi. Il a un bon ult. Bon ça. QSS va la clean. On a fait le taf. J'ai peur qu'il y ait moins de shot comme il y avait tout le monde. Et ben voilà, c'est gagné. Voilà, Jarvan a mis... Il y a eu un fish qui a fait genre fish plus E là. Bon bah on a fait une game plutôt cool. 10-4. On peut bien sûr vachement progresser hein, mais c'est genre... En gros comme je vous dis, genre je sais pas, 10 à un moment je savais le jouer, je sais plus trop le jouer. Mais j'ai envie de le jouer parce que c'est un perso qui m'amuse bien.
Et c'est un perso un peu, enfin pas spectaculaire tu vois, mais genre cool à jouer. C'est un perso où tu te fais, plaisir. C'est important de se faire plaisir. Alors je file le mot de passe à Sakor et on va partir en duo. En duo je vais jouer Honor qui bon Jax il a fait des trucs cool quand même. Jarvan était pas mal. Jarvan a un peu fucked up ma lane à un moment. Il a quand même fait un truc un peu chelou. Nice le fish. Bah après là c'était vraiment le moment où c'était facile quoi. Pour être honnête, là c'était vraiment un fish où t'avais juste à envoyer tout droit, c'est Jarvan qui avait... Jarvan avait fait tout le taf. Hein. Je fais 31 000 de dégâts. Putain, il y a eu genre quasiment égalité, genre 34 000 là partout. 33 000 ici et Jax a beaucoup, beaucoup split push. Bon bah c'était bien hein. C'était une bonne game, on va partir avec Sakor pour de la duo.